Coucou tout le monde, c'est Vlanou, on se retrouve sur Craft. Oui, bon, pour commencer, première chose, c'est que, en fait, en allant chez Paddington, je voulais utiliser ces moutons quand, soudain, j'ai trouvé un truc super mystérieux. Vous voyez, ici, avant, il y avait les moutons de Paddington, mais une structure étrange est apparue. Et du coup, j'ai vu un espèce de SCP-106 qui est sorti de là. Donc j'ai été demander de l'aide et il y a Maros et Ninja qui m'ont rejoint. Voilà, allez, c'est parti. Pensez à vous abonner, activer la cloche, c'est pas déjà fait. Let's go! Là, c'est dangereux quand même. Ok, ça va. En fait, il y a un spawner là. Détruis-le. Ah, on peut pas les ouvrir les. Ah attends. Touche à rien. Attends, il y a un Jean-Pierre. Il y a un Jean-Pascal. Tuez-le. Mais ils s'ouvrent pas les coffres, c'est bizarre, non? Bah, il faut casser peut-être les. Ah, on a le droit de casser. Bah oui, c'est un donjon préféré, c'est pas. Ah, ok. Bah, y'a rien dedans. Au mal, wesh. Ah, peut-être ça a pas été génial. Attends, y'a un autre Jean-Pierre. Ah, il est coincé dans la toile. Ah, mais trop bien, une toile, faut pas les enlever du coup. C'est quoi ça? Ah, il y a Jean-Pierre derrière. Dans le vélo. Ok. Vous voulez voir un truc de fou maintenant? Aïe. Ouais. Ok. Non, j'ai peur. Qu'est-ce que... Quoi? La caisse. Ah, attention. Les boules, faites gaffe. Je gère. Aucun souci. Les Jean-Pierre, ils ont partout. Peur. Aïe. Faut pas faire ça. Je suis bloqué dans une toile. Hein. Ah, oh, il y en a deux. Mais il y a le Friendly Fire ou pas? Oh, sortez, c'est la merde. Non, c'est pas. J'ai un peu de vie là, par contre. Cours! Je suis bloqué dans un trou à l'aide. Sortez, c'est la merde. Oh, mais j'arrive pas à les tuer, ils sont trop puissants. Ah, c'est bon. Je vous jure, ils font ferme. Il peut pas sortir, c'est bon. Eh, attendez. Mais ils font peur, on dirait les SCP vieux monsieur. Ah, y'a des spectres lunaires. Y'a le boss, ah, c'est le boss ça. Oh, mais il m'en veut. Ah, le spectre lunaire. Attends, je vais faire Oh, je vous jure, il est mort. Non, il est pas mort. Il est invisible. Des mobs. Il est invisible. Ah non. Ah, je suis bloqué. C'est bon. Il y a des gens Valjean. Non. Oh mon dieu. Je savais que ça allait être compliqué. Pourquoi on a fait ça? Non, c'est pas. C'est largement fun. Mangez une pomme, Flanou. Tout va bien dans la vie. Oh là là. C'est lui le premier. Mais tu tapes Flanou. Désolé, on l'a tué. J'ai eu un charme. Attends. Moi, j'ai eu un bone dagger. Bute-les tous. Il est mort, le boss. D'ailleurs. On a tué le spectre lunaire. On a pas de repos. Ok, quelqu'un a reçu quelque chose, là? J'ai eu un collier. Bone dagger, moi. Mais c'est tout pourri. Non, c'est moi qui ai le truc spécial, je crois. J'ai eu un charme de... Non, ouais, c'est ça, ouais. Collier, Maros. Je veux voir c'est quoi. Oui, tiens. Merci. Bah, j'ai pas ramassé. Je pouvais attendre longtemps. Un charme de Jean-Pierre. Regardez, si vous regardez, moi j'ai eu du sang de monstre. Ah ouais? Tu as du sang? Ah ouais? Ouais, donc c'est ça les trucs à vendre et tout. Ah, quoi. Trop bien. Ça va être ça, les trucs à vendre, ouais. Oh, la petite fiole. Monster là. Blood. C'est trop bien. Bah, il y en avait un sous le. Dans les coffres, sous ça. Il est là. Sous tes pieds. Ah, mais c'est un violet, c'est-à-dire qu'on peut pas le détruire. Ah, on peut le détruire, ok, my bad. Si, on peut les détruire, ok. Cassez-les. Ok, mais j'ai pas de coffres. Regardez, dans les coffres, il y a des trucs. Là. Ici. Ah, il y a des trucs dans les coffres? Bah, il y avait rien. Il y a des trucs, ouais. Faut que je check. Ah, bah, moi, il y a rien là. Ah, il y a des os. Bah, pas de chance. Il y a des os et de la rotten flesh. Pour casser le spawner, il est là. Non, regardez, je vais ça, je vous en donne un peu. Des silver nuggets. Incroyable. Attendez, cassez, j'ai pas pris ma pioche. C'est de l'argent. C'est contre les loups-garous, ça? Ouais, exact. Ah, il est passé où? Tu l'as dans ton inventaire, je pense. Ils sont là, les spawners. Bon. Ils sont sous les dalles. Ouais. Eh, cassez-les, en jeu. Ouais. On les casse? Ouais. Mais j'ai pas pris de pioche, en fait, donc... On pouvait les enfermer, les SCP-106, et faire comment des ça, tests. Comment ça, il y a une nouvelle texture pack, là? Mais comment il est venu, le boss, là, le Jean-Claude, du coup? Mais c'est parce que, tu sais, le truc que j'avais cassé... Ouais. Bah, c'était ça qui l'a fait pop. Ah, c'était ses ossements. D'accord. Ouais, exactement. Donc c'était une niche. Du coup, il est pas con. Ah, mais c'est parce qu'il a reload, maintenant il attaque. Ok, je pensais. Non, mais qu'est-ce que tu. Non, j'ai tué le zombie. Ah. Non, il fait des câlins, regarde. Je fais des gros câlins, ma roche. Je te câline. Non, mais c'est des petits câlins, il me fait des petits bisous là. Deux pas en avant, il t'arrache la tête, je te câline. Non, bon, c'est violent, un peu d'intérêt. C'est transformé en ambiance mignonne à violence intense. Attends.
J'ai reçu un truc dans ma boîte aux lettres, c'est écrit « Tu vas mourir eux » avec une tête de Steve. Regardez, il y avait écrit « Certains dans ce village devraient craindre pour leur vie. HRC. » Bon, on sait pas ce que c'est HRC, mais... Et après, je reçois ça. Bizarre quand même, hein. Quelqu'un veut ma mort, mais oui. « Mourir eux !» Mais après, c'est peut-être un message caché, « Mourir eux !» Ça veut peut-être dire un truc. Plus tard sur Craft, il y a eu un event où nous devions aller à la taverne demander des informations à un tavernier très bizarre et je suis en compagnie de Miro et Frigiel. Let's go, vous allez voir tout ce qu'on a fait. C'était franchement trop bien, une des meilleures quêtes de tout Craft, vraiment trop bien. Je vous spoil pas, c'est parti, let's go. Bonjour. Salut. Bonjour monsieur. Est-ce que vous voulez quelque chose? Je veux un thé moi. Il y a Ninjax qui m'a rapporté le fait qu'il y avait une cabane bizarre derrière chez lui. Et il l'a exploré, il a retrouvé un livre, il me l'a donné. Ouais. En échange, ce que je veux, c'est quand vous fassiez la quête, c'est que vous me donnez une petite partie du butin, bien sûr. Ah. Vous trouvez un zombie qui avait l'air d'être assez riche. Je vais vous lire les pages intéressantes et je vous donnerai... Il y avait une boussole qui était liée avec et je vais vous la donner après. Je pars enfin vers les pics de glace pour aller voir l'ancienne mine d'Argentine. Cette mine était autrefois située dans une plaine verdoyante, à quelques mètres de la surface. Mais maintenant, d'après mes recherches, cette mine serait en plein milieu d'un océan de glace et de givre. Mmh. D'après certains crétins, cela serait dû à une malédiction du néant. Les mineurs ayant pris peu de précautions lors de l'extraction des ressources. Hop, et ça serait à cause de cette malédiction qu'un océan s'est créé à cet endroit. De glace. Un océan, carrément. Un océan de glace. Un océan de... Bah, ce qui paraît, bon, vous irez voir. Hein. Bref, j'ai pris soin de lier ma boussole à mon bateau au cas où. Faut grimper. On aurait peut-être dû y aller à cheval, hein. Non, avec l'eau, c'est partie en bateau. Ouais. Encore tout droit. Marche droit devant toi. C'est beau ça, vas-y, continue, ça me donne des forces. Marche droit devant toi. C'est dans Nemo. Dans Nemo. Il nage, ouais. Nage droit devant toi. Mais nous, on nage pas, donc... Comment elle s'appelle déjà? Dory. J'ai un trouble, t'es Dory ou Dorine? Oh, c'est Dory. Dory, ouais. Mush later. Mais qui c'est cette personne qui n'a même pas de nom? Et ouais, y a pas de nom. Est-ce que c'est le mec riche? C'est quelqu'un qu'on connaît pas. Mais attends, c'est magique là. T'as donné un livre. C'est jamais moi qui ramasse le truc. Bonjour. Tenez, tiens. Il a dit bonjour. Ça glisse. Bonjour. Il est trop mignon. Faut s'asseoir, je crois, non? Ah, faut s'asseoir. Il est trop mignon. Attends. Il s'approche un petit peu trop. Aïe. Je sors ma hache. Mais non, il est tout mignon, regarde. Oh, il est trop cute. Il a un petit problème de fantôme, par contre, je crois. Ah oui. Regarde sa tête, il a des petites joues mignonnes. C'est sûr, il est gentil. Il est mignon. Vous faites quoi ici? On cherche une mine. Ouais. Est-ce que ça te parle à une mine glacée, peut-être? Je sais pas. Il a dit oui. Ah, voilà. Dis-nous c'est où on te zigouille. Non, le menace pas, attends, il est mignon. D'accord, il y a des piranhas ou quoi dans l'eau, là? Arrête, il est mignon, faut lui parler gentiment, ok? Je me suis pris des tridents. Frigiel, faut pas menacer les gentils petits axolotes comme ça. Ah bah surtout quand il tape aussi fort, hein, j'ai changé d'avis. Voilà. Je suis Syraxolot. Ah, bonjour Syraxolot. Est-ce que vous savez où c'est la mine, s'il vous plaît? C'est juste derrière. Mais il y a mon bateau, j'essaye d'y entrer, mais c'est compliqué. Tu veux qu'on t'aide? J'ai des TNT, ça va le faire. Il veut qu'on l'aide. Il est trop mignon. Du TNT Fly. Ah, oh, attends, je pourrais déjà des bugs. Attention, Axolot, il y a des... Oh, non. Ils vont tuer l'Axolot. Il y a des trucs qui m'attaquent. Protéger l'Axolot. Les murs m'attaquent. Oui, les murs m'attaquent. C'est un zombie de glace. Ah. Alors là, il y a un zombie de glace sous mes yeux. Hein. Oh, mais il se passe des dynamites de glace. Attention, un creeper. Il y a du monde. Mais l'Axolot, il est resté là-bas, le pauvre. Un texte. Attends, Flanou, c'est quoi ton arme, là? C'est une arme illégale. C'est illégal, ça, j'avoue. Non, c'est illégal, on a le droit à la nésorite. Oups. Ah, oui. Désolé, monsieur le ministre, il y a une flèche qui est partie dans votre camp. Attention. C'est pas grave, écoutez, c'est l'aventure. On va les laisser. Sur les choses qui arrivent. Hop. Plus il y a de monstres, plus il y a de trésors. Hein. Je me suis stop ici, car après, c'était trop dur. Donne-moi ton épée et t'inquiète que moi, je te bloque pas ça, genre. T'es méchant avec l'Axolot. On y va à trois. Ah, mais il veut qu'on le protège ou pas? Faut savoir. Hein. Ouais, mais tu le menaces en même temps. Bah, bravo. Je l'ai pas menacé là, je lui ai dit donne-moi ton épée. Attends, il y avait un panneau, il y a écrit quoi? Rien. Je lui ai pas dit donne-moi ton épée ou je te tue. Waouh, c'est trop beau. Vous êtes sûr qu'on y va? Qu'on y aille? Ouais. Oui, c'est bon. Oui, je prends une torche. Oui. Fanou, allez prendre l'échelle. Ouais, mais moi j'ai Fear Falling. Oups.
Ah, mais jette en l'air les mecs là. J'ai confondu Flanou avec un monstre, elle a une grosse épée. Ah bah d'accord. Attends, wow, y a un passage ultra dangereux là. Waouh, trop stylé, c'est trop stylé. Faites-le tomber dans la lave. je suis pas rassuré. Ah là que le. Oh non, je sais pas faire les jumps, Miro, je stresse. Non, mais moi aussi, je suis mauvais en jump. Miro, je stresse. Il suffit d'y croire. Ouais. Je me suis pris un piège. Je vais prendre la totem. Faites attention, il y a des. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? J'ai peur là, j'ai peur, j'aime pas les jumps. Moi aussi, j'ai super peur. T'y vas ou j'y vais? Attends, je vais prendre une enderpearl au cas où je tombe en bas. Je mourrai. Ouais. Au cas où on sait jamais. Attends, t'as une enderpearl toi? Attends, je récupère mon corps. Oh, je suis pas mort. Bah ouais, hein. Ouh, moi j'ai fermé Minecraft. Un... Tout va bien. C'est bon, vous passez là? Oui. Attention, il y a un piège! Ah bah j'ai un piège. Fais passer l'axolote en premier, tu verras. Mais c'est l'axolote, c'est assez dangereux de pousser les gens. Mais non, l'axolote il est gentil. Il y a des trucs à manger ici, il y a de la soupe. C'est un piège. C'est bon, vous avez pris les diamants et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a, axolote? Pourquoi il est perplexe? Il est trop mignon, moi j'aimerais bien le mettre dans mon aquarium. Ah, il m'a envoyé. Tu peux capturer des axolotes, sinon ça existe. Ouais, mais lui, t'as vu, il est vivant. T'es un flanou. Tiens, au pire, j'ai une. Ces mines m'appartiennent. Oh, pardon, on voulait pas. Ah, pardon. Excuse-nous, on voulait pas. Pourquoi pardon. T'as dit quoi? Il a dit ces mines m'appartiennent. Pardon, on voulait pas prendre des trucs, désolé. C'est bon, t'es rentré chez toi, du coup, t'es content. Mais attends, c'est pas ce que nous disait la légende. La légende, elle disait que les mines, elles appartenaient à. À je sais plus qui là. À Dorton Einstein. Un zombie riche. C'est toi le zombie riche? Vous m'aidez à purifier le mal? Bah. Ouais. On t'aide, ouais. Nos épées servent à ça, hein. Bon, bah là-bas, il y a du mal, go. Ok, il y a du mal. Ok, on y va. Faut pas voler chez le mal, où es-tu? Oh, attention, il y a un piège là, mais il est désactivé. Le mal. Ah oui, ça fait des pièges. Ah oui, oui. Ah, attends, tu brilles. Attends, ça sent. Mais il y a l'action, il fait exprès d'actionner le piège. Il saute dessus. Il nous troll. Faut passer. Arrête. Oh non, il y a un jump. Ah oui, j'entends un dragon. Il suffit de taper par un truc. Ah ouais, c'est un jump compliqué en plus. Ah mais attends, mais j'ai un effet de slowness pendant 12 secondes, je peux pas jump. Ça va pas tenter d'aller pour le jump. Ok, j'ai réussi. Ah non, je peux pas. Faut que j'attende vite fait du coup. Hop, c'est bon. Quoi? Il m'a poussé. Ouais, mais t'as été méchant avec lui aussi. Voilà. Tu as commencé par le menacer. Du coup, il a été poussé ouf. Tu sais, les axolotes, ça a une bonne mémoire. C'est un donjon là. Un donjon. C'est dangereux? Ça chauffe un peu, ouais. Il y a du feu. Pimpon, pimpon. Attends, ça s'allume peu à peu. Suivez-moi. Eh, c'est confortable ici. Moi, j'aime bien. L'axolote, tiens. Non, brûle pas l'axolote. Mets-lui de l'eau. Mais c'est bon, je l'ai sauvé. C'est son environnement naturel. Waouh, ils sont spéciaux. Ah, c'est trop bien fait, ça. J'arrive plus à remonter. Je vais prendre ça. Hop, j'arrive. Attends, on s'est coupé. T'es sous une dalle. Oui, j'arrivais, je comprenais pas. Mais en fait, là, c'est le parcours du combattant, là. Oh, il y a des sorcières. L'arc, ça me paraît une bonne idée, là. Ah. Oh, on arrive coup, ça, y a dans Harry Potter, y a des trucs qui tombent du ciel, un peu, là. Mais avec ça, tu y vas, lui. Bah ouais. Enfin, moi, rien. Suis, moi, une quinzaine de secondes, hein. Ah. 9 secondes encore, moi, ouais. Ça fait la musique. T'axolote, faut te protéger. On avait un bon rythme de dégâts. Oh, il est trop mignon! Oh, je suis gaga! Regarde, je lui ai donné une petite chemise! Oh, attends, j'ai un truc à lui donner moi aussi. Il est trop cute! Ah, si, c'est bon, on voit sa tête! Il est trop mignon! C'est parfait! Allez, viens avec nous! Comment on l'appelle? Tu t'appelles comment? Bon, c'est même. Bah, c'est Sir Axolot! C'est Sir Axolot! Oui, Sir Axolot, ouais! Il a pas de prénom! Et est-ce que ça découpe vraiment ou pas? Ouais, ça découpe vraiment! Ah oui, tu vois, ah ça oui, découpe. Moi je préfère envoyer les axolotes avant pour vous tester. Oh bah, t'es mission. Faites gaffe, celui qui m'a volé ma mine est très méchant. Et en plus, il est moche. Ah, y'a un target block. Alors là, il y a une grande base. Là. Ah, c'est intéressant ici. C'est une énigme, resto. Ah, c'est intéressant. Attendez. C'est une énigme. J'enlève la flèche. Une énigme. Attends, là t'as un coffre qui est relié à de la redstone. Ah, t'as mis la musique. Oui, j'ai mis ça dans le coffre. T'as activé la redstone. T'as activé. Ouais, j'ai mis la musique. J'ai créé ce piège pour les voleurs, mais je m'en rappelle plus moi-même. Il a dit ça à Axolot. Ok. Oh là 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 là. Tu crois que les Axolot avaient une bonne mémoire? C'est toi qui l'as dit il y a littéralement 5 minutes.
Mais ils sont intelligents. Bah, je sais faire un peu, mais pour moi, là, ça sert à ouvrir la porte qui est là. Ouais, je pense aussi. Vous avez du charbon, hein? T'as activé un truc? Oui, mais envoyez un livre, Axolotl. Non, j'ai pas de charbon, non. Je me suis faufilé, on se retrouve plus tard. Ok, plus tard. Ah, d'accord, ok, plus tard. Mais je sais pas à quoi ils servent les leviers, à mon avis, c'est un système en dessous qui permet de... C'est pour que le four il aille jusqu'au bout. Mais là, si on met pas de carburant dedans, il bougera jamais. Mais ouais, dans tous les cas, faut que le four, en fait, le wagon aille jusqu'au bloc là de redstone lamp. Ah! Je crois que j'ai fait un truc. Il y a une alarme. Oh! Comment t'as fait ça? Bah, j'ai bidouillé ici, et voilà. Bon bah bravo, hein. Je crois que j'ai fait quelque chose. C'est ouvert. C'est activé le faisceau laser. C'est trop bien fait, c'est trop stylé. Il y a de l'or au plafond, il y a de la richesse au plafond. Ouais. Il faut activer les 4 couleurs pour réunir la Ah oui, les 4 faisceaux, il y a 4 épreuves. Ouais. Donc il y a celle-là. Ça c'est un jump, donc toi t'es fort en jump, Frigiel, tu peux le faire. Bah je peux le faire, mais il faut que j'aille là-haut, tu crois? Ouais. Ah ouais, je vois. Ouais, faut aller là-haut. Chacun fait son épreuve, allez faire une autre épreuve. D'accord. Bah moi je vais du coup vers la verte, je sais pas s'il y a un truc. Moi je vais au labyrinthe. Oh, y a un... Oh non, l'axolote il est prisonnier dans la cage. Ah bon? Oh purée, je suis en labyrinthe et... Oh là là. Il est tombé dans son propre piège alors. Bah il est emprisonné, ouais, le pauvre. T'as réussi à activer le faisceau? T'as réussi, ouais. Ouais, c'est bon. Moi, je cherche à comprendre comment est-ce qu'on fait le mien. Ok, faut ramener un poulet. Comment ramener un poulet? Je l'attire. Dans le coffre, il y a des graines. Ah, il y a un coffre là. Il y a un coffre avec des flèches. Okay. Viens, poulet, viens. Viens, Steven. Oh, mais ça, c'est mon épreuve, toi. Tu essaies de résoudre ton truc, miroir? Ouais, mais. Attends, Steven, faut que je réfléchisse. C'est un étang. Et je sais pas du tout ce qu'il a trouvé. Attends, Steven, reste là, je réfléchis. Ah, attends, il y a une cible là qui est cachée sous le corail. Attends, Steven, faut que je me rappelle. C'est par là. Vas-y, viens. T'as activé quoi là à l'instant? Ah oui, une lumière, ok, d'accord. Allez, Steven, allez. Faut libérer l'axolote. Hein. Ouais. Attends, il est libre ou pas l'axolote? Non, il est pas libre. Ah, j'ai trouvé là, Là, le Sir Axolote, il a dit qu'il y avait des monstres. Ah bah oui, je vais me prendre une touche de feu. Ah oui, il y a des blagues. Oh, attends, mais il tire beaucoup. Attends, je vais tenter de le sniper. Si on reste dans l'eau, ça craint rien. Ouais, c'est vrai. Vas-y, fais-nous des bruits, toi. Oh bah, merci. Attends, je cherche une cible. Il faut que je me focus. On dirait que c'est l'épreuve le plus simple, et pourtant, c'est pas... Et oui, en fait, c'est genre dur à trouver. On est deux, quand même, à chercher. Hein. Bah ouais. Moi, c'était trop bien. J'avais une poule, elle s'appelait Steven. Et je devais prendre des graines et je devais la guider dans le labyrinthe, c'était trop bien. Après, on est devenu pote avec Steven. C'est marrant ça. Ouais, c'était trop bien. Ça va aussi ou pas? Parce que là. Je suis un peu la guerre. Même la deuxième que t'as trouvée, je sais pas spécialement où tu l'as trouvée, mais je la vois pas. En fait, elle était au sol derrière les arbres, enfin sous les arbres. Alors. Vous la voyez vous? On va faire comme Dora l'exploratrice là, parce que ça va pas du tout. Hein. Bah là, je me pose des questions à force. Ah, j'en ai trouvé un! T'es sûr c'est lui? Bah je sais pas, il est sous des algues, c'est ça ou pas? Ah non, on l'a déjà fait, déjà fait. Il y en a une sous les corails jaunes, vous l'avez fait? Oui. Ok. Ouais, regardez, ah, ici, bah, là, il est là, le dans carré. Les demi-trous de mur. Quel carré? Là, ici, regarde, là, le carré. Oh, fallait trouver. Oula, ça fait. Je cherchais bien dans les murs, t'avais un tremblement, ça fait sentir partout dans la ville. Dans la ville? Dans la ville? Ah, c'est pas notre faute, hein. Ah, il y a un Jean-Pierre, là. Ah, attends, c'est pas le zombie riche? C'est lui. C'est lui le riche. Il a un plastron en diamant avec une hache en netherite et tout. Ah bah il fait très mal là. J'ai mal. Bah c'est bien, il a le focus, vas-y cours et nous on le tape. Il a le focus sur toi, ouais. Oh, sauvez-moi. Ah mais juste en dessous il y a un portail qui est apparu là. Ah oui, il y a un portail de l'end. Ah faut tuer lui là. Ouais, tuez-le. Trop bien le donjon. J'ai trop aimé les ennemis. Ouais, c'était cool. Putain, il veut pas me la... Ah ça brûle. Il y a l'axolote qui... L'axolote qui m'a envoyé sur le zombie. Il voit de la nourriture? Ouais. J'ai des mecs. On va devoir aller manger Steven. Non. Pas Steven. Je vais marcher devant du feu. Il est mort. Il fait tout noir. Vite, il faut qu'on aille dans le portail. Il fait tout noir. On a le droit ou pas, Axolot? Non, on n'a pas le droit. Ah mince. Vous devez sortir le portail et maudit, vous allez devenir comme moi. Bon, moi je veux bien être comme toi. Moi je veux bien. Ça m'étonne pas. Ah oui, bon moi je me casse. Je crois qu'on est déjà maudit. Je suis un peu trop maudit là. On voit plus rien là. Moi je vais être en Axolot. Venez, suivez l'Axolot. Il a écrit: merci de m'avoir aidé. Grâce à vous, je vais pouvoir retirer ma malédiction. Mon vrai nom est. Et après, c'est pas écrit. Oh. Attends. Comment ça, mon vrai nom est? Il y a trois petits points.
Bah ouais, parce qu'avant, ça devait être quelqu'un d'autre. Il a une malédiction, après, c'est devenu un axolote, et voilà. Il y a un scénario et tout, c'est intéressant. J'adore quand il te frappe. Bah super. Du coup, on a fini. Attends. Bah ouais, on a fini. Du coup, il faut attendre la suite. C'est ça. Ok. On a le droit de prendre ou pas? Suivez-moi. Il y a des trésors. C'est par là. Il y a un passage. Pardon, je regardais juste. Là, il y a un passage au portail par ici. Il y a une faille ici. Ouais. Ah, vous êtes parti où? Au portail. Non, c'est bien passé là, votre aventure. Non. Super, super. Je me suis fait agresser par un axolot. Il a failli mourir. Bah bref, le mec, je dis j'ai failli mourir, il me dit bref, t'es. Personne n'en a rien à faire que tu meurs. Hey, j'ai failli mourir, ouais, bref. La perte de la ville pour avoir enquêté, ouais, trop bien. Bien. Yes. Des ninjas coin. Je les ai pas eu. Ah, je les ai pas eu. Je les ai pas eu. Moi, je les ai, non, moi. Mais en fait, ils ont tous stacké, je crois, sur Free. J'en ai eu 50. Pas eu. Honteux. J'ai eu 50 ninjas coin. 7 pour toi, 7 pour toi. Et... Mais sur 50! Tu as 21, hop. Ah, 18. Hop. Non, j'en ai eu 27 en fait. Ok. C'est très équitable tout ça. J'en Pourquoi ai 18. J'en ai que 2 sur moi. J'en ai que 2 sur moi. Mais quoi? Mais. C'est parfait. Mais. T'as vernis! Non, mais donne l'argent! Allez, c'est fini là. La thune, il est parti avec la thune. Je suis rentré dans sa chambre, dans le bateau. Ouais. Il y avait un coffre, il y avait plein de butins dedans. Oh purée. Il y avait des livres looting 3, il y avait de l'or, des trucs comme ça. Oh purée. J'ai pas pensé à le checker, ouais. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on retourne? Bah il m'a dit non quand je suis allée dans son bateau. Mais là il t'a dit non parce qu'il était en train de surveiller. Oui, j'ai dit est-ce on doit peut-être aller dans le bateau et après il m'a tapé, est-ce il m'a dit non. Est-ce que ça vaut pas le coup, maintenant qu'il ne surveille plus, d'y retourner? Bah, je sais pas ce qu'on va se faire agresser ici. C'est pas grave de faire des choses illégales tant que tu te fais pas repérer. Tu vois. Mais c'est le ministre qui dit ça, bah bravo. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Craftcraft en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré vraiment le donjon avec l'axolote, il était trop mignon. Franchement, ça m'a rendu triste de devoir le laisser là-bas et tout, mais bon, il était trop gentil. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Mettez une note sur 10 pour la quête. Franchement, c'était trop trop bien. Et à bientôt pour la suite. Peut-être que vous aurez une séquence bonus, mais là, la vidéo, elle est un peu longue, donc c'est bientôt, oui. Merci aux membres de la chaîne pour leur soutien. Corlou de Fer, Toony Jumping, Sovnap et Takumi. Encore une fois, pour devenir membre, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui s'affiche sous la vidéo. Bisous, bye bye! Bye!